parole à notre chère maire, Luca Agostini. Merci, président, merci à Claude, cher ami. Merci aussi à M. Luc, président de la Fédération de pêche, qui nous fait toujours l'honneur de sa présence pour notre salon de la chasse, pêche et des traditions. Je vous présente la société Euron Celtic Corner. Je vends donc des produits irlandais, à savoir une gamme outdoor d'imperméables et de chapeaux de pluie, des casquettes irlandaises du Donegal, bien entendu des pulls en 100% laine et aussi des whisky. Je m'appelle Joël Mercader, je suis artisan forgeron coutelier sur Miramas, dans les Bouches-du-Rhône. Donc je forge depuis une dizaine d'années. Et au niveau de ma production, je suis assez varié. Je fais du brut de forge, du pliant, du damas, du plat de semelle. Et je travaille plusieurs nuances d'acier, donc aussi bien d'acier de coutellerie que les aciers de récupération, comme les forges de Maréchal Ferrand par exemple, ou les limes, ou les ressorts automobiles. Voilà. Bonjour. Christophe, le garde-chasse du domaine de Roquerousse. Donc on est un domaine de 400 hectares clos, où on peut chasser le gros gibier toute l'année, sur du sanglier, du mouflon, du cerf ou du daim. C'est ouvert toute l'année parce qu'on est clos. Donc on peut chasser aussi le petit gibier, c'est du lâcher, de faisan et de perdreau. Ça se chasse de l'ouverture générale jusqu'au 28 février parce que toujours on est clos. Donc si vous voulez venir profiter de faire chasser vos chiens jusqu'au 28 février, vous pouvez venir sur le domaine. Donc la saison à venir s'annonce très bonne avec les pluies qu'on a eues, la colline est magnifique et la reproduction s'est très bien faite. Donc on pense que ça va, on a fait de nombreuses promotions tout au long de la saison pour attirer le plus de monde possible et on vous attend pour venir chasser. Oui, bonjour, moi je suis l'armurerie chasse-pêche à Lille-sur-la-Sorgue, le Sorguette, dans le 84. Et voilà, nous sommes spécialistes de la pêche à la mouche, le pêche au leurre. Tout ce qui se fait pour la pêche des poissons carnassiers. Et en chasse, nous avons une grosse armurerie avec un armurier de métier qui fait toutes les réparations, neuf et occasion, et les reprises aussi. Voilà. Nous sommes à Lille-sur-la-Sorgue, la zone des théologiens, le numéro 3. On est dans une petite zone au bord de la route, vous ne pouvez pas nous manquer, un grand magasin vert, vous ne pouvez pas le louper. C'est le plus beau magasin du Vaucluse. Et demi, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Retour, c'est clair.
chaud. Donc Pierre Budel, éleveur du Mas de Laval, éleveur des paniers bretons depuis plus de 35 ans maintenant. Ouais. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Voilà, petit bébé. Donc eh ben, on est content de participer à ce 8e salon de la chasse, de la pêche et des terroirs à Saint-Andéol, dans un cadre magnifique, dans le parc du château. Bonjour, je suis Monsieur Maillard Patrice, président de la Fédération départementale des gardes de chasse et de pêche particulier 13. Notre association est départementale. Nous opérons sur plusieurs communes du département grâce à la fédération. Je tiens à remercier alors l'ensemble des bénévoles ainsi que son président qui a remis en marche cette fête de la chasse, qui j'espère durera encore beaucoup d'années. Et un merci à vous. Merci bien. Bonjour, je m'appelle Josiane Berliocchi, je suis la déléguée de l'Association nationale de la chasse au féminin des Bouches-du-Rhône. Cette association a été créée, cette délégation a été créée en 2012. Voilà, nous sommes actuellement en 2018. Comment fonctionne notre délégation actuellement ? La nouveauté, c'est que c'est un travail d'équipe. Je ne suis plus seule à diriger cette délégation. Il y a de plus en plus de chasseresses qui s'impliquent dans notre association lors des salons de fêtes de chasse, sur des invitations, des organisations de journées de chasse, ce qui démontre vraiment cet esprit d'équipe, c'est qu'on a été obligé de nommer, j'ai été obligée de nommer une suppléante qui n'est autre que Léa Muller, une personne qui s'occupe des vidéos photos, qui relate nos événements. J'invite toutes les chasseresses des Bouches-du-Rhône et des départements alentours à venir nous rejoindre pour suivre nos formidables aventures de la chasse au féminin. Pour la 8e édition du Salon de chasse, pêche et terroir de Saint-Andéol, nous sommes heureux de vous accueillir pour des repas conviviaux. Et hier, nous avons fait un repas de 350 personnes avec du cassoulet qui a été fait par Monsieur Gérard et... Comment il s'appelle déjà ? Dédé. Aujourd'hui, les chefs nous ont préparé une délicieuse paella et c'est leur spécialité. Un très bon repas qui est préparé avec amour. Bon appétit à tous! Aujourd'hui, on est très très heureux de participer donc à ce salon chasse, pêche et tradition à Saint-Andéol. Pour nous, c'est, je dirais, une occasion de parler, de présenter toutes nos activités et notamment l'éducation à l'environnement, les actions phares de la fédération qui font que on s'adresse à tout le grand public, mais aussi beaucoup d'opérations faites auprès des jeunes, avec des scolaires. On vient de signer une convention avec le conseil départemental. Donc
c'est vraiment un des gros chantiers. L'éducation passe par nos enfants. Et je dirais que tout ce qui est au niveau gestion des cours d'eau, l'apprentissage sur la propreté, sur l'entretien, ça passera par eux. Donc pour nous, un gros challenge et une grosse ambition sur nos jeunes. Bonjour, je suis Monsieur Lacquigny Jean-Luc, président des Trappeurs du 13, l'association des piégeurs des Bouches-du-Rhône. Donc notre association existe depuis 2011 et est en évolution permanente. Nous essayons de regrouper tous les piégeurs des Bouches-du-Rhône de manière à pouvoir leur offrir le plus d'avantages possible, notamment l'assurance au niveau de l'UNAPAF, les remises sur les pièges, l'abonnement au journal des piégeurs. Donc, qui est quand même l'information nécessaire à toutes les personnes qui ont leur agrément. Alors pour information, donc, l'arrêté sur les nuisibles n'étant pas encore sorti, il est conseillé à tous les piégeurs de s'arrêter le 30 juin en attendant la décision du gouvernement. Pour l'instant, rien n'est sorti, donc ne prenez pas le risque, vous serez hors la loi. Bon, bonjour à tous, bienvenue sur le salon de la chasse de Saint-Andiol. Donc, vous êtes ici sur le stand de l'UNUC avec les représentants des conducteurs de chiens de sang des Bouches-du-Rhône. Alors, dans le 13, nous sommes 7 conducteurs agréés et nous intervenons sur tout le département. Il faut savoir que la recherche au sang, c'est une activité qui est bénévole. Nos déplacements sont gratuits, nos interventions sont gratuites et les animaux qui sont retrouvés sont remis bien évidemment aux chasseurs. N'hésitez pas à nous appeler, vous avez les listings des conducteurs de chiens de sang qui sont ici présents sur le stand. Vous trouverez nos coordonnées sur le site internet de la Fédération des chasseurs et dans tous les carnets de battues. Bonjour, Henri Romolacci, conducteur de chiens de sang à l'UNUC de Bouches-du-Rhône. Nous sommes 8 conducteurs agréés et 2 non agréés disponibles pour faire vos recherches. Je suis basé sur Marseille, donc dans le 14e arrondissement, et nous recherchons dans toutes les Bouches-du-Rhône. Les principales races de chiens autorisées qu'on utilise sont les teckel, le rouge du Hanovre, le rouge du Bavière. Et bon, après, il faut savoir que tout chien de chasse peut être éduqué pour la recherche au sang. Et bien voilà, je m'appelle Jean-Paul Capi, donc je suis chasseur et je suis écrivain aussi, donc il n'y en a pas beaucoup. Et chasseur-écrivain dans les Bouches-du-Rhône, ben, je crois que je suis à peu près le seul. Donc j'ai écrit un livre qui s'appelle Toine des Garrigues. Donc c'est un roman où évidemment on retrouve toutes les histoires de chasse que j'ai pu raconter aussi bien dans Le Chasseur français que dans Le plaisir de la chasse au grand gibier. Donc voilà, j'ai mis un peu du lien. Il y a aussi beaucoup de galéjades, d'histoires de chasse, un peu d'érotisme aussi. Et puis voilà, donc j'espère que ce livre aura un minimum de succès. Le livre a été édité aux éditions Baudelaire. Donc on peut le trouver sur internet via Amazon, la Fnac, D10, Cultura aussi. Et évidemment j'ai quelques exemplaires aussi qui sont disponibles à mon adresse. Donc j'habite, c'est Jean-Paul Capi, 108 rue Alphonse Daudet, 13410 Lambesque.
m'appelle Florenton, je chasse sur l'île sur Sorgue et j'élève des chiens courants suisses lucernois sous la fixe du mas des Gipières. Donc le lucernois fait partie d'une des quatre variétés de chiens courants suisses qui comporte le bernois qui a une robe blanc et noire, le bruno du Jura qui est noir et feu, et le chitsois qui est blanc et orange, et bien sûr le lucernois qui est moucheté vers le bleu. Moi j'utilise mes lucernois au sanglier, mais ce sont des chiens qui à l'origine, comme la plupart des chiens courants, étaient utilisés au lièvre. Et avec la rarification du petit gibier, c'est une race qui est utilisée de plus en plus au sanglier. On peut avoir très bien des rapprocheurs comme des chiens debout dedans. C'est un chien très facile à créancer, très près de son maître. Je suis très content de chasser avec ces chiens parce que c'est une race qui me correspond bien. Je m'appelle Guy Marchand, je travaille sur le cuir en spécialité de repoussage et moulage. J'utilise une méthode un petit peu personnelle. Donc on peut me retrouver sur Saint-Andiol puisque j'habite dans la rue Lormoulin. De temps en temps sur certains marchés, notamment des fêtes médiévales. Mais hélas, il va falloir que je songe à m'arrêter puisque l'âge m'a gagné et les cheveux deviennent blancs. Bonjour à tous, bonjour. Jean-Marc Bielus, responsable du marais à Châteauneuf-les-Martigues, responsable du marais de Beaulmont et de l'étang de Berre. Je m'occupe des huttes et principalement de la chasse au gibier. On chasse au marais principalement la nuit, aux appelants. On cale des colverts, sarcelles et canards variés. Quelques années des oies, car l'effectif augmente et s'en tue de plus en plus, sans toutefois faire de gros tableaux. Les canards tués sont très variés. Sarcelles d'été, d'hiver, chipots, milouins, un peu de tout. Les foulques aussi, qu'on appelle macreuses chez nous. Voilà, donc on a amené quelques races de canards pour montrer aux gens qui prennent un peu conscience de ce que c'est le gibier d'eau. Donc on souhaite aux visiteurs un bon salon et aux organisateurs une très bonne réussite. Vol puissant comme une bécassine de double. C'est... Voilà. Bon, vous avez le pigeon vert que vous avez derrière vous qui est là. Alors, le pigeon vert recherche les figuiers et toute l'année, il cherche les figuiers dans toute la brousse. Hein. Et ils arrivent à se nourrir comme ça. Grâce aux figuiers. Et puis, vous avez les tourterelles. Vous avez... Alors, le matin, chasse au francolin ou alors au bécassine, et le soir, passer au tourterelle, ganga. Voilà, ça vous fait environ, dans un séjour, minimum 1000 cartouches. 1000 cartouches, et puis 10 jours, 7 jours de chasse. C'est un safari à faire, vous voyez. Au moins une fois dans sa vie. Voilà. Dans sa vie de chasseur, de petit gibier. Voilà.
ce couteau, vous me l'avez acheté quand? La première année, vous étiez installé là-bas. Là-bas, d'accord. Juste à l'entrée. Il y a 8 ans. Il y a 8 ans, ouais, voilà. 7-8 ans. Ouais. Et c'est vrai que ça ressemble à celui-ci, il est un peu plus grand. Mais ça ressemble bien, c'est le même genre de bois, pris debout, du bois serpent pris debout, du bois de Guyane. Du bois de Guyane, c'est ça, tout à fait. Avec un damas carbone en long, comme ça. Ça, c'est un damas que je trouve plus, ça. Celui-là. Tout à fait, ouais, ben super, je suis bien content de revoir mes bébés, et puis en plus ils coupent bien. Hein. Voilà, oui, ouais, absolument. Vous aviez une belle pochette en belle étui en galuchant. En galuchant, oui, oui, en galuchant. Vous n'avez pas peur, vous avez la... Si, je l'ai là. Ah, ouais, d'accord. Où est mon opposé, elle est partie. Il y a toujours le boule qui va avec. Ouais, ouais. Ben moi je suis bien content de le voir et puis qu'il voit qu'il est en bon état et puis qu'il tient la route. Ah mais je fonctionne des couteaux. Ben, ouais. On va vendre, moi j'en ai. Ouais, d'accord.